Nous restons dans le royaume où se poursuit la 19e édition de la Coupe du Trône de Golf. La compétition se poursuit jusqu'au 27 juillet courant au Royal Golf d'Al-Salam à Rabat, où notre envoyé spécial Ilham Berada a rencontré aujourd'hui Reda Benrokaya, coach de l'équipe de golf Anfa Mohamedia, qui occupe la première place à l'issue de la deuxième journée de compétition. Ensemble, nous les écoutons. Cette première phase des qualifications s'est bien achevée aujourd'hui au Royal Golf d'Al-Salam pour cette 19e édition de la Coupe du Trône. Donc une deuxième journée de qualif marquée par d'abord une première place du Royal Golf Anfa Mohamedia, club tenant du titre. Et pour nous parler de cette belle première victoire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Reda Benrokaya. Il est le coach de cette équipe du Royal Golf Anfa Mohamedia. Monsieur Reda Benrokaya, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc au final, pour ces deux premières journées, vous étiez un bon coach. Merci Médéa, ça fait plaisir de vous revoir encore pour cette édition, la 19e. On a gagné la 18e, on attendait qu'ils soient majeurs et vaccinés. Cette année, on est dans la 19e édition. Très content de mes joueurs, très content d'avoir un staff très compétent, de mon capitaine, M. Naji Jalal. On a fait du bon travail depuis 6 mois. On s'est bien entraîné, on s'est bien préparé pour cette édition. La première journée était très dure pour tout le monde. Mais aujourd'hui, ils ont montré qu'ils sont capables de faire des jolis jeux. Donc j'en termine à la première place et on est très content pour eux. Mais c'est une compétition qu'il faut oublier, le plus dur reste à venir. On va passer à une autre compétition qui s'appelle le match play. On est préparé, je suis content aussi pour nos petits jeunes qui se sont qualifiés aussi chez les juniors, nos seniors aussi qui nous représentent, et fiers d'appartenir au RJM. Alors justement, vous me facilitez cette deuxième question. Donc un club qui, vous êtes avec Royal Golf d'Al-Salam, les seuls clubs qui sont présents pour les 3 compétitions et qui se sont qualifiés donc pour les quarts de finale donc, qui commencent demain. Ça va être une très très longue journée, surtout que je crois que vous jouez le matin et l'après-midi. Mais je pense que quand vous vous êtes préparé, il y avait une donnée que vous n'avez pas pris en compte, c'est cette chaleur qui est suffocante, il faut dire. C'est vraiment, il y a peut-être une petite brise maintenant, mais durant la journée, il fait très très chaud. Comment on gère justement cette donnée? Comment on prépare vos joueurs pour vraiment une donnée qui n'a peut-être pas été prise en compte pendant ces préparatifs? On est très content d'être à Dar es Salaam, un club mythique et surtout le parcours rouge. Pour rappel, je suis né à Rabat. Mes premières balles, je les ai tapées à Rabat. Je suis fier d'être ici. Nos amis de Dar es Salaam, ce sont des frères. Souvent, on se rencontre dans les finales ensemble. Et encore cette année, je leur souhaite bonne chance à nos amis. Je souhaite bonne chance à toutes les équipes participantes. Comme j'ai dit auparavant, la compétition ne fera que commencer demain. Effectivement, ça va être éprouvant. Cette chaleur était vraiment inattendue, mais je pense que les joueurs, notre joueuse, ils sont préparés pour aller jusqu'au bout, ils vont tout donner. Comme j'ai dit, on a un staff technique, on a des médecins avec nous, on est préparés pour cette édition. On est là pour défendre notre titre. Comme j'ai dit, on va basculer vers une autre compétition. Je souhaite bonne chance à toutes les équipes participantes et good luck. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance et à toutes les équipes qui participent. Monsieur Reda Benrokaya, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le coach du Royal Golf Anfa Mohamedia, tenant du titre et qui finit en tête de ces journées de qualification ici au Royal Golf d'Al-Salam qui abrite cette 19e édition de la Coupe du Trône de Golf qui se poursuit jusqu'au samedi 27 juillet.